encore. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous, mais clairement le trou du cul du monde ici. Personne? Non. Pas moi qui croyais que je suis en retard. Toi aussi t'as rendez-vous? Oui. Bah, c'est peut-être avec toi que j'ai rendez-vous, je suis Poppy, salut. Ah, pardon, mais moi aussi on m'a appelé. Monsieur? Youhou! Monsieur? Excusez-moi. Bonjour. Je suis Poppy, c'est pas avec vous que j'ai rendez-vous? Bah, je sais pas. Quelle heure il est là? Ah ouais, fais chier. Y'a quelqu'un? Putain, c'est quoi ces gens? Ils te donnent rendez-vous, ils sont même pas là. Mais y'a peut-être une autre entrée, non? Ah ouais, d'accord. C'est un bonhomme celle-là, hein? Ah. Vous avez bien fait de rentrer, hein. Je voulais nettoyer avant votre arrivée, mais... Bon, moi je suis un peu pressé, c'est avec vous qu'on doit aborder le truc, là. Enfin, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous, je veux dire. C'est moi qui vous ai écrit, oui. D'accord, mais eux, c'est qui? Parce que je pensais être le seul. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous lui ressemblez. Ouais, je sais. Ma mère me le dit tout le temps, il paraît que je suis un connard comme lui, ouais. Et il m'a laissé combien? Avant de mourir, votre père m'a demandé de vous convoquer tous les quatre. Vous ne l'avez pas connu, mais vous êtes ses enfants, donc ses héritiers. Ok, donc on est quatre, ça veut dire... Tu peux laisser finir, s'il te plaît? Ça fait une semaine que j'attends, j'ai besoin de comprendre. Alors, ce café lui appartenait, et tout ce qui est dedans, c'était tout ce qu'il avait, voilà. Et maintenant, c'est à vous. Ok. Donc là, j'ai juste traversé toute la France pour de la merde, quoi. Le mec, il fait des gosses dans tous les sens, et après, on se partage son bar pourri et ses vieux cartons. C'est ça l'idée, en fait, non? Pardon, mais... L'enterrement a déjà eu lieu? Non, non, il s'est fait incinérer. Oh, c'est con qu'il soit déjà brûlé. J'aurais trop aimé voir sa tête. Vous avez pas une photo de lui? Je ne sais pas. Il faut que je fouille. Il faut aussi les papiers de succession. Je vais les emmener. Je reviens. Je vais le chercher. C'est fou la vie, hein. Il y a deux minutes, j'étais fille unique, et puis là, ben, je suis famille nombreuse. Écoutez, notre père, moi, je le connaissais pas. Franchement, ce bar, j'en ai rien à foutre. Je propose qu'on s'en débarrasse. Je sais pas pour vous, moi, j'ai besoin de thunes, en tout cas, voilà. Moi, je sais pas. J'aurais bien aimé réfléchir, quoi. Avoir cinq minutes. Moi aussi, je veux réfléchir. Un cadeau, moi, je dis, ça se vend pas.
Et vous avez les moyens de me racheter ma part? Ben non, moi j'ai pas d'argent, non. Bon, ben on vend. Moi j'aurais bien aimé le connaître quand même. Ben, moi j'ai jamais eu envie de voir sa gueule. Pourquoi? Parce que c'était un connard. Bah vas-y, développe. C'était un connard, je te dis, tu vois ce que c'est? Oui, je crois qu'on voit ce que c'est, un connard. Non mais arrêtez de parler en mal des morts. Notre père, c'était un marin. Un bandit. Il a voyagé dans le monde entier. C'était un héros. Un cuisinier, quoi. Puis moi, je me dis que ce que je suis, bah, il y a la moitié qui, forcément, ça vient de lui, non? Bah moi, je croyais qu'il était mort. Ma mère m'a toujours dit qu'il avait eu un accident de voiture avant ma naissance. Et toi, tu l'as connu? Non. Elle t'a dit quoi, ta mère? Bah, elle m'a rien dit parce que je l'ai pas connu, elle, non plus. Attends. Mamma, ma perché cazzo non mi rispondi? Ci vuoi mettere sul répondeur tutta la vita, sa? Ma lo sai dove sono? Lo sai con chi sono? J'aurais pu le rencontrer, j'aurais pu lui parler. Tu m'as menti, putain! Struzza bugiarda di merda! On y va. J'adore l'italien. Ça chante, c'est beau. Toi, tu veux aller pour vendre, non? Alors tu sors et tu nous aides. Non. Non, je préfère te regarder. T'es belle quand tu ranges, hein. Tu vas me lâcher, toi, hein. Tu vas faire quoi, là? Tu vas me taper? M'embrasser? Comment ça s'appellerait, ça, de l'inceste? Tu me touches pas, on se connaît pas. Oh! Ah, mais tu fais quoi, mec? Mais tu fais quoi, ensemble. Je la mets sur Facebook. Alors vous vendez? Je me disais que vous aviez peut-être faim. Merci. Je peux pas louper le dernier train. Vous restez pas pour manger, non? Ah non, si j'y vais pas, je me fais virer, alors. Tu t'appelles comment, au fait? Vincent. Ah, c'est Gaspard. Tiens, je te passe ma carte. Comme ça, tu m'envoies ton numéro et je t'appelle dès qu'on a une offre. Merci. Bon, bah... Salut. Ah ben non, moi, je t'embrasse. Thank you.
Moi, je me dis souvent que la vie, c'est un peu comme un millefeuille. Il y a du dur et puis du tendre. Et c'est ça qui fait que c'est bon. Puis là, d'être avec vous, ben, c'est du tendre. Elle nous emmerde, l'autre, avec son millefeuille. Et l'autre, elle a un nom. L'autre, elle a la moitié de ton sang, l'autre. Mais de quoi tu me parles, moi? Tout ce que je veux, c'est qu'on vende. Putain d'héritage. Bah, moi, j'aurais eu de l'argent, je l'aurais racheté. Ça fait seulement quelques heures qu'on est ici et... C'est bizarre, mais je me sens chez moi. C'est le bord de mer, peut-être, je sais pas. Puis j'aime bien m'imaginer qu'il vivait ici, c'est... Vous étiez un ami de notre père, c'est ça? Il vous a déjà parlé de nous? Bien sûr. Votre père, c'était un mec qui... Il... Sa vie, c'était... Parfois, il disait... Il pensait à... Il pensait à quoi? À vous rencontrer. Mais il voulait nous rencontrer, c'est vrai. Mais pourquoi il l'a pas fait? Quand on veut vraiment rencontrer quelqu'un, on le rencontre. Pardon, je dois m'en aller. Mais ça va, monsieur? Hé, monsieur! Monsieur! Monsieur!